le fait de descendre d'une dynastie, enfin d'une grande famille de photographes, il y a une envie de faire perdurer l'histoire. À Chamonix, et je dirais de manière générale à ce qui se passe dans les Alpes, c'est un peu comme les guides. Quand on descend d'une famille de guides, c'est vrai, c'est dur de tourner le dos définitivement à cette option-là. Quand on est à Chamonix, c'est difficile d'éviter de ne pas tomber dans la soupière. Hein. Donc tout de suite, on est familiarisé très tôt à la vision de la montagne. Hein. C'est notre environnement. On l'a tous les jours en face du nez. Et puis très très vite, on a l'envie d'y aller. Cette photo, elle est exceptionnelle parce que elle a 105 ans. C'était la visite du président de la République, le président Falière. Et cette visite intervient peu de temps après l'ouverture du chemin de fer. Donc on est vraiment dans le cadre d'un reportage photographique. Et ça prouve à quel point, à l'époque, une visite de ce type devenait un véritable événement. Il faut se dire qu'avant le train, on venait ici à dos de mulet. Donc on partait de Chamonix, ça prenait des heures et on montait, les touristes, les premiers touristes, hein, fin du 19e, montaient avec les guides et les mulets jusqu'ici et redescendaient soit dans la journée, soit dormaient sur place. Mais le train a évidemment considérablement changé les choses, hein, ça a été le début du tourisme de masse. Ce que je trouve tout à fait exceptionnel par rapport à ces ascensions photographiques de l'époque, c'est qu'en même temps, ils étaient des découvreurs, c'est-à-dire qu'ils étaient alpinistes. Ils découvraient la montagne avec ses risques, avec ses surprises, bonnes ou mauvaises. C'était quand même des personnages un peu à part, quoi. Ah, ça, c'est une photo intéressante. C'est l'arrivée du train, donc je pense que c'est la première année d'exploitation 1909-1910. Et je pense qu'on est tout à fait en mesure de retrouver ce point de vue qui doit se situer juste derrière le temple de la nature, à quelques centaines de mètres d'ici. Et puis là, une photo alors très 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 particulière. Et j'ai recherché ce plan, la manière dont a été faite cette photo, et en fait, on se rend compte que c'est pas possible. Ce point de vue n'existe pas, c'est donc un montage, comme quoi déjà à l'époque, on avait un vrai sens du marketing. On met en évidence à la fois l'hôtel de la mer de glace et la mer de glace. On fait coup double, on vend la mer de glace et l'hôtel, mais la photo telle qu'elle est présentée ici n'existe pas. Le plan n'existe pas, c'est pas possible. Voilà, alors là, on est à l'endroit précis d'où a été pris cette photo, donc en 1909. Ça fait un moment, et c'est l'arrivée des premiers trains donc au Mont-en-Vert.
C'est forcément très émouvant parce qu'on se dit qu'ils ont été exactement là, à ce moment-là, il y a un peu plus d'un siècle, qui voyaient quasiment la même chose, sans doute pas du tout avec le même état d'esprit. Et en même temps, ils devaient malgré tout s'émerveiller devant les mêmes choses. En revanche, évidemment, ce qui apparaît alors très très nettement, c'est la baisse du niveau de la mer de glace dans des proportions absolument terrifiantes, puisque là, on voit très bien qu'elle a perdu environ 150 à 150 mètres de hauteur. Impressionnant. Aujourd'hui, le changement climatique aidant, la montagne change. On se dit, ben voilà, nous, on a les documents finalement qui nous permettent de montrer comment tout ça a évolué et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, quoi. L'histoire commence dans les années 1870-1880. La famille Coutet, c'est une famille d'agriculteurs à Chamonix, agriculteurs de montagne, donc on vit durement, difficilement. Les choses sont pas simples, mais 1880, c'est déjà l'arrivée des premiers touristes. Alors très rapidement, cette famille Coutet comprend que là, il y a sans doute une opportunité. Michel Coutet, le premier de la saga, en 1880, a l'idée de créer un magasin de souvenirs. Il se dit, là, il y a une veine, il faut l'exploiter. Et il commence à faire de la photo, puisqu'on a quelques daguerreotypes qui prouvent qu'il faisait déjà un petit peu de photos. Il a deux garçons, Auguste et Adolphe, qui, eux, donc, vont vraiment très, très vite. Au début du 20e, s'engager dans le métier de photographe. Grosso modo, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 12 000 images dans son ensemble, si on tient compte de tout, hein, des plaques de verre des années 1880 jusqu'aux diapositives de mon père en 1985. Et c'est un siècle d'images relatives à la région et au massif du Mont-Blanc. Caisse 3, B35. Voilà, avec tes doigts de fée. Donc c'est ça, la mer de glace. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis, je vais te laisser passer. Catherine est une amie très proche depuis les années 70. On a eu une idée un jour de se dire, bon ben, ces photos qu'écoutaient, il va falloir un jour qu'on les mette, qu'on les rassemble et puis qu'on regarde d'un peu plus près ce qui se passe. C'est quand même 4-5 générations de photographes. Voilà, voilà. Ah, nous pensons avoir trouvé quelque chose d'intéressant. D'accord. On va nous révéler des secrets. On allume. Il y a des petites plaques. Voyons cette plaque de verre. Cette fameuse plaque de verre, dont cette fameuse photo. Dont le point de vue est tout à fait impossible dans la réalité, puisque l'hôtel du Montanvert n'est pas dans le bon axe par rapport au Jaurès. Et on est allé sur le terrain sans rendre compte. Voilà, on l'avait déjà remarqué auparavant, mais on espérait trouver sur cette plaque de verre des traces de collage, de montage. Or, c'est y a pas de traces. Totalement invisible. Donc on a l'impression que Auguste Coutet a refotographié son montage et refait une plaque de verre, toute neuve, ensuite. Puisque sa signature est d'ailleurs ici, à l'intérieur du... Oui, titre, signature. Par contre, là, on voit bien le numéro de la plaque qui a été rajouté après. C'est vraiment incroyable de voir ça aujourd'hui et surtout de retrouver cette plaque de verre originale. Les photographes Guécoutet ont tenu une place hyper importante dans le paysage des photographes chamoniards dès l'invention de la photographie, on peut dire. Il y avait deux grandes familles à Chamonix, les Thérazes et les Coutet à l'époque, puisque le nom Guay a été ajouté à la deuxième génération. Et on a mesuré, en fait, il y a une quinzaine d'années, l'étendue de la collection Guécoutet. La collection Thérazes ayant en partie disparu dans une inondation en 1921, tout le fonds Guécoutet, à base de plaques de verre, de négatifs, de toutes ces techniques, a été retrouvé. Auguste Coutet a été un des photographes officiels des premiers Jeux olympiques d'hiver organisés à Chamonix en 1924.
pour Chamonix, c'était un événement hyper important et ces photos sont fabuleuses. On voit tous les sports qui sont presque pris en rafale, avec des prises de vue assez modernes finalement. J'ai rapidement compris que la photo m'intéressait, mais pas que. Parce que plus on découvre, plus on veut montrer, plus on veut raconter, et gentiment on glisse vers ce qu'on appelle effectivement le journalisme, où on est à la fois, analyste, conteur, contemplatif et tout, et on brode autour de ces différents ingrédients pour arriver à quelque chose de plus complet. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je reste très attaché à la photo, qu'elle se fasse dans le cadre, semi-professionnel ou de loisir. Mais ça fait toujours pas. Je peux pas partir quelque part sans faire de la photo, quoi. Donc voilà, c'est juste de dire que c'est dans l'ADN. Voilà, on a quitté Chamonix et on va se rendre du côté de Finhaut, en Valais. Et on va s'intéresser au pourquoi du départ de la famille Gay de Finhaut en direction de la France et de Chamonix en particulier. Et pour ce faire, on va rencontrer un spécialiste de la généalogie locale. C'est un fin connaisseur de tout ce qui s'est passé à une certaine époque, en particulier au début du siècle dernier, au moment où de très nombreuses familles valaisannes ont quitté la région. Au cœur de Giétreau, quelques magnifiques maisons. Alors, entre 1697, ouais. Et la date de ta naissance, 1951, ouais. Il y a 11 générations. 11 générations. Ici, voilà. 11e génération, c'est ouais. Mon fils. Ouais, ton fils, okay. Il est en 11e. Toi, tu es en 10e génération. D'accord, ok. Moment la famille Gay part de Giétreau pour les Jeurs, en face donc? À la 5e génération. L'explication, c'est quoi, là? Ben, à Giétreau, on vivait très pauvrement. Il faut dire que depuis le Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, ça n'avait pratiquement pas changé la vie. Les terrains étaient tous exploités et surexploités. Même, il y avait beaucoup d'enfants, ils se partageaient les terrains, ils étaient placés d'herbe pour le bétail, et donc les gens allaient ailleurs. Donc ils cherchaient de nouvelles pâtures. De nouveaux terrains, de nouvelles pâtures, oui. Et il y en a qui sont allés, tout début, ils sont allés en face, au Jord, de l'autre côté de la vallée. Le plus près possible, quoi. Le plus près possible, voilà. D'accord. Après, ils sont allés un peu plus loin en France, et... Voilà, c'est comme ça que... Après, ça va engendrer les départs, ouais. Et donc après, c'est la rencontre. Là, c'est la rencontre à Chamonix avec Sylvia Coutet. Oui. Ils se marient, ce qui est très curieux, visiblement, ils se marient à Marseille. Marseille, ouais. Donc c'était des gens qui adoraient bouger, c'est et adoraient voyager. Bougé, ouais, ouais, voilà. Ouais. Et ensuite, ils reviennent évidemment à Chamonix, ça, où ils s'installent et où s'installent définitivement. Ils ont eu Relin. Voilà, mon père et ma tante, ouais. Guette en l'occurrence. Ouais. Ouais. D'abord, on se rend compte d'une chose, c'est que la Suisse n'a pas été toujours ce pays de cocagne où tout roule merveilleusement bien et qu'il y a eu des périodes difficiles qui ont contraint les gens à partir et à partir en France, qui évidemment, dans la région de Chamonix en particulier, avait un temps d'avance. Le tourisme s'était développé à la fin du 19e, le début du 20e, c'est la création des grands palaces, c'est le tourisme qui commence à se développer de manière très rapide, alors qu'ici, on est encore un peu en retrait. Et donc, je comprends pourquoi les gens de ma famille sont finalement partis, à Chamonix pour trouver du travail et s'installer. Et c'est le cas de mon grand-père Justin, qui est devenu le photographe qu'on connaît. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sven. Ça va? Bien, bonjour. Et vous? Bonjour. Bienvenue au Musée Alpin. Merci. On va voir ces affiches. Avec plaisir. Je vous emmène. Alors ça, c'était les premières installations remontées mécaniques de la Flégère. Ça, moi, j'ai un souvenir particulier parce que le jour où il a fait cette photo, j'étais avec mon père et je pense que mon frère était soit très, très, très jeune, soit peut-être pas encore né. C'est un souvenir, je me rappelle, il faisait assez froid. Oui, j'étais petit. Là, j'ai pas trop participé aux sorties montagne de mon père pour faire des photos, j'étais trop jeune. Il n'y a que Hubert qui est allé avec lui, donc là, j'étais pas présent. Mon père, il n'était pas souvent à la maison. C'est quand il n'était pas en montagne, il était au laboratoire. Donc, il faisait des longues journées. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. C'était assez prenant. Donc, il traitait toutes les photos noir et blanc, parce que celles-ci, elles ont été éditées en noir et blanc aussi. Voilà. Moi, je suis resté amateur en photo, donc rien à voir. C'est plus une passion détente que professionnelle. La fameuse affiche de Chamonix, emblématique. Elle a été pendant très très longtemps l'affiche officielle de Chamonix. Mais on se rend compte, et moi c'est une découverte, qu'en fait il y a eu deux clichés utilisés à l'édition, avec un centrage différent. Alors, bien sûr qu'il y a eu plein de photos faites à ce moment-là, mais il y a eu deux... C'est pas la même photo. Tout à fait. Ah ben, c'est la longue vue qui est donc sur la... Devant sur le magasin. Photo, là, qui est devant, sur la place. La place principale, et elle a cet objet absolument incroyable. Ce qui est intéressant avec mon frère, c'est qu'il est toujours fasciné par l'utilisation des appareils, par la technique. Il faut dire qu'il est beaucoup plus technique que moi, hein, donc tout ce qui est appareil photo, il est très attaché à conserver ce matériel. Ce qui n'est peut-être pas forcément mon cas, où je suis peut-être un peu plus tourné vers l'image et vers le résultat de ce que ces appareils nous ont permis de faire. Mon père, il était assez peu bavard, hein. C'était pas un personnage très, vraiment enclin à causer beaucoup, surtout en montagne. Il était très préoccupé par l'aspect, je dirais, technique des choses, hein. Il y avait beaucoup à faire. En plus, le matériel n'était pas aussi facilement utilisable qu'aujourd'hui. Parfois, je m'en souviens, il me demandait quand même mon avis. Il me disait, tu trouves chouette, là? Puis je lui disais ce que je pensais. Je lui disais, oui, effectivement, là, c'est bien, mais peut-être qu'on serait mieux si on était sur le... Ça arrivait. Mais c'était pas fréquent. Là, on est vraiment chez un... On a affaire à un vrai montagnard. Dans toute cette belle histoire familiale, il y a eu quand même un gros clash. Et c'est cet accident en septembre 68 à l'aiguille d'Argentière où mon père évidemment fait des photos. Je suis avec à une centaine de mètres de lui avec un compagnon guide au sommet du couloir en Y, et une corniche casse. Et donc la photo, elle est prise quelques minutes avant l'accident. On tombe et c'est 500 mètres de chute jusqu'au fond du couloir, quoi. Donc avec un résultat assez dramatique, puisque le jeune guide qui m'accompagnait, Daniel Burny, a été tué sur le coup. Et moi, je m'en sors avec, on se demande comment, mais avec 7 ou 8 fractures et des blessures graves, donc, et puis surtout, je pense, un très fort traumatisme. Donc voilà, ça a été le mauvais côté de cette belle histoire. Je pense qu'une des conséquences majeures pour mon père a été le fait de ne pas pouvoir aller en Himalaya. Parce que je me rappelle très très bien cette époque-là, puisque moi-même, je commençais à être titillé par le besoin d'aller voir là-bas ce qui se passe, avait pour projet de partir au Népal avec plusieurs amis guides.
soit dans le cadre d'une expédition, soit à titre personnel en tant que photographe. Mais en tout cas, il avait ce projet et c'est quelque chose qu'il a laissé tomber. Là. Je pense que pour lui, ça signifiait prise de risque et absence, longue absence, et qu'il ne pouvait pas nous imposer ça après ce qui s'était passé en septembre 68, quoi. Ça c'est sûr. Comment on va? Comment tu vas? Ça va? Et toi? Ouais, super. Tu sais que c'est sympa de se faire. Plein de choses, bah ouais, ça me fait plaisir, il fait beau. En plus, c'est vraiment, vraiment super beau. On est bien là. Magnifique. C'est top. Antoine est mon fils. Antoine a toujours eu beaucoup de plaisir à faire de la photo et je pense que c'est évidemment pas un hasard hein, puisque moi-même je l'ai rapidement initié à la photo. Il a aussi vu mon père, donc son grand-père, faire de la photo. Puis petit à petit, bon ben voilà, il a réalisé que non seulement il y avait un patrimoine réel qui existait, qu'il fallait conserver, mettre en valeur, et je suis absolument ravi qu'il ait cette sensibilité-là. On est forcément tenté par la photo avec une famille comme ça, parce que voilà, en plus il y a une pression derrière, parce qu'il faut réussir les photos, parce qu'il faut être fier de ce qu'on montre au papa, au grand-papa, et ça a toujours été la petite pression derrière. C'est pour ça que j'essaye de m'appliquer à chaque fois pour faire des belles photos, pour choisir des angles un peu qui se distinguent, choisir des belles lumières, pour être essayer d'être un peu à la hauteur de ce que je présente derrière. Et le temps, ça allait pour les photos et tout? Bah écoute, il a fait beau absolument tous les jours. Ouais, t'avais un peu le temps quand même ou comment tu... Bah pour les photos, au final, on prenait le temps en fait. On jouait tellement pas le classement qu'on prenait le temps de s'arrêter. D'accord. Quand on avait un bel angle, on choisissait. Quand on avait une belle lumière en fin de journée. Ouais, quoi. Ouais. On prenait vraiment le temps de faire les photos. On ressent pas mal d'admiration en fait pour ces gens-là qui partent avec un matériel impressionnant, avec 50 kilos de matériel sur le dos, qui vont en haut, qui vont voilà en haut du Mont Blanc, qui vont faire des clichés. Qui vont faire un ou deux clichés. Aujourd'hui, on en fait des centaines, on fait des rafales et on choisit les meilleurs. À l'époque, c'était, voilà, ils avaient un ou deux clichés à faire et il fallait que ça soit les bons. Il fallait pas se louper, quoi. C'était donc vraiment des gens admirables, ouais. Aujourd'hui, quand on regarde ces centaines de touristes qui arrivent ici avec leur numérique, c'est magnifique. Ils vont ramener quelque chose à la maison. Mais je pense qu'ils n'ont strictement aucune idée qu'il y a un peu plus d'un siècle en arrière, eh bien, c'était une toute autre histoire, c'était une aventure. Non seulement il fallait être solide, hein, solide physiquement, mais solide psychologiquement, avec les porteurs, les plaques de verre, tout le matériel nécessaire au développement parce qu'il fallait développer sur place. Et en plus, c'est vrai que le photographe, il avait cette mission supplémentaire, c'est-à-dire trouver la bonne lumière, attendre la bonne journée et être là au bon moment, quoi. Et c'est vrai que chaque fois, je me dis, c'est incroyable, quoi. Incroyable de réaliser que ces gens-là, en 1880, étaient au sommet du Mont Blanc et faisaient des images.